Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Mar Arabia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Continuez à partager, à liker, à nous envoyer bien évidemment vos réactions et vos informations. Ce soir, nous allons revenir après un premier numéro il y a 48 heures, puisque hier soir, nous avons consacré tout un numéro autour de cette grande demi-finale. Et nous saluons encore bien évidemment l'équipe de France qui repart pour une deuxième finale en 2022, mais surtout et aussi pour le très beau parcours de l'équipe nationale marocaine qui n'a pas démérité hier soir et qui a vraiment transmis de très très beaux messages à tous les niveaux, culturellement, d'espoir, vraiment des messages de fraternité, puis des messages aussi d'espoir, notamment pour les futurs grands sportifs qui veulent devenir des footballeurs. Ça a vraiment donné envie de voir cette belle équipe africaine arrivée en demi-finale. On le rappelle, c'est la première fois que ça arrive dans le cadre notamment d'une Coupe du Monde. Donc il y a 48 heures, premier numéro autour du 12-12-2019. Qui dit 12-12-2019, c'est l'élection, la nomination pour certains, c'est une question qui va encore se poser ce soir, donc du président toujours actuel, c'est sa troisième année, du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Donc on va revenir sur ces trois années au pouvoir, on va revenir sur certaines questions ce soir, bien évidemment politiques, les droits, les libertés, mais aussi l'économie. Voilà ce qu'avait donc annoncé le président Abdelmadjid Tebboune en prêtant serment lors de la cérémonie solennelle à Alger. Il a juré notamment, je cite, de respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la constitution, de veiller à la continuité de l'État, mais aussi d'agir en vue de la consolidation du processus démocratique, de respecter le libre choix du peuple, a-t-il dit. Je continue à le citer, je renouvelle mon engagement de tendre la main à tout le monde pour mettre en œuvre les revendications du Hirak. Et oui, ce Hirak qui a vu le jour en février 2019, lorsque notamment l'ancien chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, avait annoncé son cinquième mandat. Vous l'avez vu, ce sont des millions et des millions d'Algériens et d'Algériennes qui sont sortis donc dans les rues du pays, aux quatre coins du pays, mais aussi partout dans le monde. Et le Hirak d'ailleurs qui continue aujourd'hui d'une autre manière, on va en parler. Voilà ce qu'a dit donc le président actuel Abdelmadjid Tebboune. Je renouvelle mon engagement de tendre la main à tout le monde pour mettre en œuvre les revendications du Hirak dans le cadre d'un consensus national. Et il a réitéré clairement son intention de modifier la Constitution. On va y revenir bien évidemment à différents niveaux. Je vous citerai quelques passages tout à l'heure, notamment de l'APS qui nous parle de 80% des 54 engagements, des promesses qu'avait évoquées, annoncées Abdelmadjid Tebboune ont été réalisées aujourd'hui. On nous parle d'une justice, d'une démocratie dans le cadre de ces articles de l'APS. On y reviendra tout à l'heure. Trois ans au pouvoir qui rime pour le pouvoir, pour l'APS, de réussite, de succès, de relance économique. C'est un axe important ce soir, mais aussi qui rime avec autre chose. D'abord, les ONG qui continuent à être sur le dos, le Parlement européen notamment, l'ONU dans le cadre des droits de l'homme, le Hirak qui est toujours présent. On l'a encore vu, notamment la semaine dernière, différents rassemblements. La liberté aussi des droits qui est très bafouée. Il y a essayé de Covid avec des gros problèmes de gestion en Algérie. Les feux, on y revient, on pourrait y revenir aussi ce soir. Quelle gestion autour des feux, autour de la santé, de la Covid, la position du président algérien dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Près de un an de conflit diplomatique important avec la France, notamment lorsqu'Emmanuel Macron avait donc dit clairement que l'Algérie était un système politico-militaire, bien évidemment avec le Maroc, des problèmes de spéculation, le foot aussi qui malheureusement a échoué, ça fait partie aussi d'un pays, on le voit dans le cadre de cette Coupe du Monde. Les détenus, toujours plus de 250-300 détenus d'opinion, certains ont perdu la vie, des partis politiques intimidés, sommés d'arrêter leur activité, des pénuries d'eau, toujours en Algérie, il y a des problèmes d'eau malheureusement en 2022, et puis des pénuries notamment de produits de première nécessité comme l'huile ou encore la semoule et la pomme de terre. Voilà un peu, grosso modo, ce qui réunit un peu les trois ans au pouvoir du président Abdelmadjid Tebboune. On essaiera bien sûr d'évoquer clairement les réalisations concrètes, hein,
qu'il a réalisé. S'il y en a, nos invités vont nous en parler. Et puis on parlera notamment de cette année, quelle année notamment économique annoncée par Abdelmadjid Tebboune, où en est donc cette relance économique. Il ne faut pas oublier que le FMI, le Fonds monétaire international, a exprimé clairement donc sa crainte en disant que l'Algérie était trop dépendante aux hydrocarbures. Et on peut souligner que Abdelmadjid Tebboune était absent au sommet africain, notamment chez les Américains. On reviendra sur le projet de loi des finances, notamment sur ce budget de l'armée et de la présidence qui augmente, alors que parfois sur des départements, notamment comme l'éducation, la santé, il y a de très 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 peu d'augmentation. Avec nous, pour en parler, il est avec nous actuellement via Skype, Anis Alkhama, psychologue, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation, Chaban. Je salue toute l'équipe de Marabien, ainsi que tous ceux qui nous regardent en Algérie et à l'étranger. Merci infiniment. Devrait venir nous rejoindre sur le plateau, puisqu'il n'est plus en Algérie, mais il est de passage à Paris. Omar Aït Mokhtar, militant politique, qui a annoncé d'ailleurs sa candidature au présidentiel 2024. Il devrait arriver incessamment sous peu. Nous l'attendons vraiment avec impatience. Il était là avec nous hier soir, mais voilà, il avait préparé toute une thématique autour de cette économie sur ces trois années. C'est Lies Djebaili, qui est ingénieur économiste. Il interviendra tout à l'heure 5-10 petites minutes, notamment pour réagir sur cette thématique. Avant de vous donner la parole, Anis Alkhama, on va écouter ici le président de la République, notamment Abdelmadjid Tebboune, qui parle d'une année de 2022 et 2023 comme l'année de l'envol économique en Algérie. Anis Alkhama, alors vous êtes en France, vous êtes hirakiste hein, aussi avant tout, vous êtes sur le terrain maintenant depuis le début de ce mouvement. Clairement comme ça, d'ailleurs c'est le titre de l'émission, 3 ans au pouvoir pour le président Tebboune. Quel changement selon vous pour le peuple? Est-ce que réellement il y a eu des évolutions? Alors il ne faut pas oublier non plus que même si Abdelmadjid Tebboune succède à l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, mais qu'il a été quand même tout de même, il a fait partie de ses équipes, il a été son ministre à plusieurs reprises, notamment entre autres au sein de l'Habitat. Oui, effectivement, il y a eu des changements pour le peuple algérien. Ces changements-là sont allés dans le sens négatif, donc pas du tout dans le sens où on l'attend. Vous avez esquissé plusieurs aspects de la vie des Algériens, sur plusieurs volets, il y a eu une aggravation de la situation économique et de la qualité des Algériens. Vous n'avez qu'à contacter des personnes, vous le diront au hasard, ils diront que la vie devient de plus en plus chère, et ça même avant la crise russo-ukrainienne et la guerre Covid. La vie est vraiment compliquée, les prix augmentent. Et la situation économique du pouvoir d'achat s'érode. Mais si on va aussi du côté sécuritaire, c'est pas mieux, c'est largement pire. Certains disent qu'ils sont des journalistes de longue haleine qui ont travaillé durant les années 70-80, les anciennes générations qui travaillent encore, sur les plateaux télévisés, les ont redire que la situation sécuritaire, en tout cas au niveau des droits de l'homme, n'a jamais été aussi pire qu'actuellement. Et ça c'est bien logique parce que vous l'avez dit également. Tebboune était dans les sillages du régime algérien depuis quasiment les années 70. Il a été premier ministre pendant de Bouteflika, il a été également très brièvement ministre de la communication, et il a été surtout ministre de l'habitat lorsque il y a eu une grande scandale de corruption avec ce qu'on appelle l'affaire PJJ, qui est indirectement Tebboune lui-même, et avec toutes les affaires de corruption
sanctions qu'on entend parler avec les Chinois et les Turcs sous son ministère. Et tout cela est très logique parce qu'en réalité, nous avons vécu un sixième mandat de Bouteflika avec un retour des pratiques d'avant 88. Ça, c'est sur un niveau sécuritaire. Donc, on a vu un durcissement sans précédent de la situation au niveau de la liberté individuelle, au niveau de la liberté d'expression, de la liberté de la presse. On a vu autour de 2 000 ou 3 000 interpellations, et je donne le chiffre vraiment un minima de personnes dans le cadre du Hirak et de la période qui a suivi les manifestations du Hirak. Et on a maintenant ce qui est autour de 150 détenus d'opinion dans les géoles, voire même s'il y a des personnes qui ont été libérées, mais il y a encore pas mal de gens qui sont derrière les barreaux. Donc je dirais que oui, il y a un changement, mais dans le sens négatif. Peut-être un mot, en plus je sais que vous êtes psychologue de formation, c'est votre quotidien. L'homme politique, hein, bien évidemment, chez les politiques, les politiciennes et politiciens, il y a le contenu, bien évidemment, il y a l'écriture, il y a la culture, le savoir, comment on travaille ces dossiers, comment on les maîtrise, mais il y a aussi la prestance lorsqu'on est président. Comment vous l'avez trouvé pendant ces 3 années? Est-ce que c'est un homme d'État? Est-ce que c'est un chef d'État qui a la prestance, la posture, le charisme vraiment lorsqu'il se déplace, bon, pour le peu de déplacement qu'il a pu faire, parce qu'on reviendra aussi sur cette question de légitimité ou de illégitimité, mais comment vous l'avez trouvé dans le cadre de toutes ces relations un peu diplomatiques, notamment sur ce sommet d'Alger entre autres, mais comment vous pourriez le définir en tant qu'homme politique, mais surtout en tant que président? Alors, je vais reprendre une boutade qui a été faite sur les réseaux sociaux, c'est qu'on est passé d'un président qui ne parlait pas à un président qui ne sait pas parler. Donc on peut vraiment critiquer Bouteflika sur pas mal d'aspects, mais au moins il maîtrisait, il avait un certain charisme, une allocution, un bagou qui faisait que les gens étaient emportés, étaient entraînés dans ses discours. Mais vraiment avec Tebboune, on est vraiment... On n'est vraiment pas du tout servi au charisme, au niveau élocution. Donc c'est une personne qui peut, dans la même phrase, mélanger deux ou trois langues. Moi, je ne suis pas que les personnes s'expriment en français ou en arabe intégralement, ou en dalija intégralement. Il faut savoir que dalija peut se passer dans l'arabe et du français aussi, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. C'est un autre débat. On peut la considérer en tant que telle. C'est un autre débat. En tout cas, Je ne suis pas contre que des ministres s'expriment dans un langage qui est beaucoup plus habituel, beaucoup plus usuel, beaucoup plus populaire et proche du peuple. Il y a beaucoup de politiciens comme José Pégriot en Italie, dans le mouvement 5 étoiles, qui s'expriment de manière très populaire, de manière claire et de manière charismatique, de manière intelligible, mais avec Tebboune, on voit qu'au niveau communication, je pense que c'est le pire président de l'Algérie au niveau communication, parce que il y avait même certains termes qu'on n'arrivait pas à comprendre dans son discours, donc là il n'est pas question de ne pas savoir maîtriser l'écriture du discours, il est question de pouvoir faire une phrase claire avec un sujet, un verbe, un compliment dans une langue donnée, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire amazigh, français, anglais, arabe, qu'il fasse un choix au niveau de la communication, parce qu'en réalité, pour les personnes qui vont voir cela de l'extérieur, ils vont se dire, est-ce que l'Algérie manque d'hommes de classe pour pouvoir mettre une personne comme ça au niveau de la magistrature suprême, ce n'est pas mal, c'est une très mauvaise image de la nation algérienne, parce que malgré tout, même si tout le monde sait, je suis le premier à le dire et je le redis très souvent, il n'est pas du tout représentatif du peuple algérien puisqu'il a été placé à l'égal de Salah. Mais ça fait mal au cœur de voir une personne qui arbore un air vraiment débonnaire et qui s'exprime de manière aussi mauvaise. Parce qu'il aurait pu, alors on va évoquer aussi, parce que ça fait partie de l'actualité, il est arrivé, pour certains il a été mis en place, pour d'autres il a été élu, mais quelque part il aurait pu aussi utiliser ce,
ce fauteuil, ce trône de président pour peut-être se réaffirmer, si ce n'est pas le cas, mais à suivre un peu votre raisonnement, ce n'est pas du tout justement le cas. C'est qu'il aurait peut-être pu utiliser ce trône de président pour avoir une certaine posture, s'imposer aussi auprès de ses ministres, auprès de ses institutions. Est-ce que c'était le cas ? Vous ne pouvez pas vous imposer lorsque votre enfant, votre propre fils est derrière les barreaux pour une affaire de trafic de cocaïne à grande échelle. On parle de 700 kilos de cocaïne. Donc une partie du mandat a été consacrée au tout début à la libération de son propre fils. Il faut savoir aussi, j'en parlais de l'affaire OPGI, lorsqu'elle était ministre de l'Habitat, mais on peut aussi parler de l'affaire Khalifa, dans laquelle on a découvert qu'il avait une carte bancaire qui était adossée à aucun compte, donc une carte illimitée comme ça qu'il pouvait utiliser. Il a été aussi parti se soigner en Europe sous les frais de Khalifa également, et tout cela est bien sûr disponible très facilement sur Internet. Vous tapez juste Kevon Khalifa et vous verrez, c'est une personne qui fait partie du régime algérien et qui a accumulé aussi les dossiers, donc il y a moyen de lui mettre très grande pression pour qu'il ne puisse pas avoir une marge de manœuvre. Dès le début, je ne misais pas du tout, contrairement à beaucoup de gens, sur le fait qu'il puisse utiliser ce siège-là de président pour pouvoir prendre des largesses par rapport à des militaires. On n'est pas du tout dans la situation de Bouteflika qui est venu à la fin des années 90. Donc, les éléments cumulés entre la gestion extrêmement autoritaire et parfois criminelle des militaires des années 90 ont joué cette carte. Contre les militaires pour prendre des marges de manœuvre, il a fait sa traversée du désert entre autres éléments. C'est fait incarner l'adresse, partout dans le monde, lorsqu'il était aussi ministre, jeune ministre des Transitions en 1933, à des affaires étrangères, c'est fait incarner l'adresse, qui pouvait utiliser pour avoir aussi pression en interne en Algérie, en plus des dossiers qu'il y avait sur les militaires et le fossé que les militaires devaient se mettre derrière la scène politique et les trois se montrer très présents dans les années 90. On n'est pas du tout dans ce cas-là. Tebboune est arrivé avec un passage en force très clair de El Gelsalah. Il a utilisé le pouvoir de son mandat pour se maintenir au pouvoir et pour appliquer la feuille de route des militaires et entre autres de Schengen. On va revenir sur ces éléments. Alors, pour énumérer aussi d'autres éléments qui évoque un peu ces trois premières années de mandat. D'abord, c'est le mot boycott, hein, puisque aussi bien l'élection présidentielle du 12-12-2019 a été énormément boycottée. Les Algériens et les Algériennes sont énormément abstenus, mais aussi lors des dernières législatives qui ont lieu le 27 novembre 2021. Et puis, bien évidemment, cette réforme de la Constitution. Et puis, il y a ce 87 bis, hein, qui fait aussi référence un peu à ces trois années au pouvoir du président actuel. On essaiera aussi de comprendre dans un instant avec vous, entre autres, Anis Elkama, selon vous, est-ce que tout de même, on parlait en 2019 d'illégitimité, est-ce que trois ans après, voilà, est-ce que vous pensez que le président actuel a gagné un peu plus de légitimité? Et ça va nous permettre aussi de revenir un peu à cette actualité de ce soir, puisqu'on va parler d'économie. Mais qui dit projet économique, relance économique, faut-il avoir une bonne légitimité? C'est la question qu'on se pose. On va écouter ici donc le président Abdelmadjid Tebboune qui explique clairement que l'armée, c'est la locomotive justement de la relance économique, dit-il. Et on se retrouve tout de suite après. يعني بفضل الاراده نتاع الرجال من الحقل حتى المستهلك باش ما نزيدش نستورد الويل البريت ونصفيها فقط ويعني وصبح نبقوا سجناء نتاع السوق الدوليه نديروا السوق تاعنا وحدنا وهادو من المفروض
للإخوان اللي دخلوا في الصناعة نتاع السكر لهم الحرية المطلقة للتصدير. وكاين كاين فريمون السكر والزيت فيه طلب نتاع تقريبا كل إفريقيا. إذا واش راهم يستنوا؟ رانا في 3 سنين نادي بهذا الكريم. احنا Voilà, on a écouté ici notamment le président s'exprimer notamment sur des produits de première nécessité, mais on écoutera tout à l'heure une nouvelle fois le président Tebboune expliquer vraiment que en Algérie, la locomotive de l'économie, c'est l'armée. On essaiera de comprendre pourquoi. Anis Al-Khama, vous êtes avec nous dans quelques instants. On va venir nous rejoindre Lies Djebali, mais vous me direz tant mieux. Au moins, ça vous permet de vous exprimer. On n'a toujours pas de nouvelles de Omar Ait Mortal qui doit venir nous rejoindre. Il doit être certainement pris dans, notamment dans les embouteillages. D'abord, vraiment, en 2 petites minutes, comme ça, ce que vous pensez sincèrement, hein, bien évidemment, on essaie chaque soir de ne pas spéculer, d'apporter des éléments vraiment sincères sur ce que nous voyons, sur ce que disent les Algériens, les Algériennes, les analystes, ce qui exprime aussi les réseaux sociaux. On essaye un peu de comprendre. Est-ce que tout de même, malgré tout, sur ces 3 années, la légitimité, puisqu'on sait, on connaît combien le degré, notamment du président Abdelmadjid Tebboune et puis de ses ministres, de ses institutions, manque de légitimité. Est-ce que pour vous, il y a toujours ce degré d'illégitimité qu'on a pu voir en février 2019, aussi le 12-12-2019, où il y a eu encore beaucoup de monde dans la rue, et puis surtout ces boycotts, notamment dans le cadre d'élections et de référendums? Oui, ça s'est coupé un peu. Est-ce que la question globale, alors la question globale, c'est est-ce qu'en 3 ans, selon vous, le degré d'illégitimité est toujours le même, ou est-ce que Abdelmadjid Tebboune, président algérien, est de plus en plus légitime? Il a de plus en plus la confiance du peuple algérien quand on fait référence notamment au dernier référendum, aux législatives, au 12-12, il y a eu tout de même pas mal de boycotts. Et puis, on peut revenir sur les bains de foule, où tout de même, le président algérien a beaucoup de mal à s'offrir des bains de foule dans les quartiers populaires, par exemple. Alors, il est d'autant plus légitime parce qu'il y a eu effectivement des rendez-vous électoraux ratés, comme celui, bien sûr, de la Constitution, donc du vote de la Constitution. J'ai oublié quel journal avait titré un très beau titre. Je me souviens plus, un journal francophone qui disait « La victoire silencieuse du Hirak ». C'est-à-dire qu'on est resté droit dans nos bottes, on n'a pas été attiré par les sirènes de la pseudo-tentative de… Si seulement c'était une tentative d'apaisement, mais en tout cas, il y a eu quelques gesticulations du pseudo-société civile, la ville de Rouar, qui voulait récupérer un peu le Hirak. Le peuple, dans sa grande majorité, suivant les principaux acteurs du Hirak, sur les réseaux sociaux, sur le terrain en Algérie, ont refusé ces élections-là, et le peuple, dans sa grande majorité, a suivi les mots d'ordre du boycott. Puis on a eu les législatives qui ont eu des scores très bas, très ridicules, peut-être autour de 10 ou 20%. Donc, encore une fois, si on compare avec la période de Bouteflika, certains dans le peuple algérien se disaient que peut-être c'était le moindre mal qu'il fallait faire avec tous les frères, puis une personne qui parle bien, une personne qui a eu de l'expérience à l'international. Donc il y a eu une partie du peuple qui, après 1999, les élections, se sont dit pourquoi pas essayer. Cette partie du peuple a tout de suite déchanté en 2004 et après en voyant que Bouteflika n'allait rien ramener de positif. Mais en tout cas, il y a eu cet élan-là d'optimisme auprès de certains Algériens qui avaient oublié ce personnage-là dans l'histoire de l'Algérie. Mais actuellement, personne ne se leurre sur la légitimité qu'aurait Tebboune à ce poste-là. On enlèverait Tebboune, on mettrait une autre personne, un anonyme, ce serait peut-être mieux d'ailleurs. Ce serait peut-être mieux, mais apparemment, vous l'avez à un deuxième mandat. C'est dire que ce pouvoir-là, qui n'est même pas de l'ombre, ça veut dire maintenant clairement que Tchengeleha
Et ce petit groupe de généraux qui maintiennent le régime tombe, une partie d'entre eux ne passera pas, ils seront emprisonnés. Écoutez, maintenant, ce que nous explique, ce que tente d'expliquer le président algérien, l'institution militaire, ça fait partie aussi de son mandat pour l'instant, ces trois premières années, où vraiment l'institution militaire est vraiment partout, à tous les niveaux. On en a longuement parlé ici sur ce plateau. L'institution militaire, c'est la locomotive de l'industrie. On l'écoute. هذا الان اللي راه يمشي في الشاحنات العسكريه وفي الشاحنات تاع الاسنان كل شيء مصنع كل شيء مصنع هذه مصنعه هنا قطعه كامل مصنعه ونركبوها هنا يولي ان بون كون هذه خطوه كبيره هذا 100% في الصناعة الميكانيكية في الصناعة الميكانيكية وهذه القاعدة اللي درناها الجديدة تبدا من لا فوندري لا فورج لومبوتيساج لا تولري اي لا فابريكاسيون حتى للبريسيزيون وهذا يجسد الكلام اللي قلتو ان اليوم لا لوكوموتيف تاع الاندسترياليزاسيون تاع التصنيع الميكانيكي هي الجيش بركانا من التركيب فقط التركيب ولا لازم نصنع بعض ولو يعني ادماج نتاع 40 50% رانا انتصار كبير وتكون فيه المداوله مداومه مع الجزائريين الاخرين حتى الخواص سيدو في القصوص ريتونس في المناوله ورزاف تاع امتياز بدا نخلق حركيه وصناعه حقيقيه ميكانيكيه Anis Alkama, on a entendu ici, on a vu la présence de l'armée, du président algérien qui nous explique que l'institution militaire, c'est la locomotive de l'industrie, que l'institution militaire puisse participer à l'évolution, au développement de l'économie, c'est une chose, mais là, en tout cas, il dit clairement que c'est la locomotive de l'industrie en Algérie, vous pouvez réagir là-dessus. Et puis, l'année de la relance économique, depuis 3 ans, on a vu des pénuries, on a des problèmes de modèle économique, il y a aussi un chômage qui est présent. Le FMI a annoncé clairement ses craintes quant à la dépendance de l'Algérie, notamment sur ses rentrées numéraires, car pour l'instant, l'Algérie dépend énormément des hydrocarbures. Avoir un peu votre vision des choses, parce que qui dit effectivement finance, économie, dit tout simplement le développement du pays et le bien-être et le bien-vivre des Algériens. Oui, lorsque le reste du monde essaie d'investir dans ce qu'on appelle l'économie de l'intelligence, ce qu'on appelle la fintech. Je ne parle pas du monde galvaudé, des startups, parce que ça ne veut rien dire, et la plupart des startups, 80% meurent au bout d'un an, mais je parle vraiment de l'économie de l'intelligence, c'est-à-dire miser sur le développement de services, d'outils qui peuvent être au service de la planète entière. Au moment où on s'ouvre sur ce genre de sujet, sur de l'intelligence artificielle, au moment où Singapour, qui est une île, qui est cité-état, donc une toute petite île, est en train de battre des records de développement économique, ni gaz ni pétrole. Pourquoi? Parce que dans les années 70-80, ils ont misé sur l'éducation. Il faut savoir qu'il y a le fameux classement Singapour, dans lequel ils classent le système éducatif, dans lequel Singapour est le premier. Et ce n'est pas pour rien que, prend après, il se retrouve avec de grands ingénieurs, avec de grands chercheurs qui font le bonheur de cette nation qui était prête destinée à être une petite nation de tourisme comme les Maldives. Et ça devient une plateforme mondiale du commerce, du trade, de l'intelligence et de l'informatique. Donc lorsque le monde se tourne vers ce genre de sujet, nous,
on revient à cette fameuse histoire d'industrie industrialisante et on rajoute une couche par-dessus. Donc le soviétisme ne suffisant pas, le soviétisme poussiéreux ne centralisant pas, on rajoute une couche militaire au-dessus, c'est-à-dire de l'industrie lourde et militaire. C'est totalement délirant parce que On a bien vu que depuis les années 60 ou 70, et à la tête de l'Algérie depuis ces années-là, donc c'était Boumedine qui était le militaire, et les militaires n'ont jamais quitté le pouvoir depuis les années 60. Qu'ont-ils fait pour ce pays? Et lorsqu'on regarde au niveau mondial, est-ce que les économies mondiales se sont développées avec le développement de leur industrie militaire? La réponse est non. Une seule nation qui est exception à cela, c'était dans un contexte bien précis d'alliance avec les États-Unis sous un parapluie militaire qui est la Corée du Sud, qui s'est développée sous le général Park, qui ont développé de grandes industries comme Sony et Samsung, avec à la tête de ces entreprises-là, des généraux, effectivement, donc le général Park était lui-même général, il a mis des militaires à la tête de ces entreprises-là qui ont fait développer ce pays-là, mais bien sûr qu'avec le soutien des États-Unis, mais le reste du monde a eu des économies dans lesquelles ils ont essayé de diversifier, d'avoir du service, de l'économie de l'intelligence, d'avoir du tourisme, de s'ouvrir sur le monde. Donc je ne vois vraiment pas, à part la petite expérience apparemment qui serait intéressante de SSI avec, je crois, Mercedes, dans laquelle ils font des prototypes, mais on est au stade de prototype. Est-ce qu'il y a vraiment une réflexion sur ce qu'on pourrait apporter en tant qu'économie? Nous sommes à quelques centaines de milliers de kilomètres, parfois quelques centaines de kilomètres de l'Europe. Pourquoi ne pas, comme l'ont proposé certains, abriter certaines usines de Chine et les entreprises européennes n'auront pas à ramener les marchandises de Chine pour pouvoir, nos salaires sont très bas, plus bas. Imaginez-vous que les salaires sont plus bas que les chinois. C'est-à-dire que dans le monde maintenant, les chinois, vu les Algériens, ils étaient tout bien. C'est un élément important, effectivement. Je vais revenir. Juste finir sur ça, avantage comparatif. Moi, je verrais plus des industries en relation avec des investissements ouest-européens ou européens qui pourraient produire à bas coût en Algérie dans le textile et dans énormément de choses. Ça, c'est un petit peu marrant. Ça se fait beaucoup en Égypte dans le textile. Voilà quelque chose qui me paraît un peu plus logique. Je ne suis pas un grand économiste, loin de là, peut-être des économistes pourront en parler mieux, mais lorsque j'imagine une économie, je n'imagine pas une industrie lourde avec des gros boulons, et par-dessus, avec une couche militaire, c'est totalement délirant. On n'est pas dans les années 60, on n'est pas dans la guerre froide. Merci Anis Elkhama, restez avec nous, je reviens à vous dans un instant. Elias Djebali est avec nous, Héraclis, mais surtout ingénieur et économiste. Elias Djebali, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous, cher Lies. Il était important de vous avoir quelques minutes puisque je sais que c'est aussi votre combat. On essaie ce soir de résumer un peu aussi la situation économique sur ces trois années. Il y a eu des nouvelles, de bonnes annonces à tous les niveaux. Pour l'institution militaire, c'est un budget qui gonfle de trois fois plus. Le budget de la présidence et de son fonctionnement, est deux fois plus augmenté. Un président tout de même qui aspire à intégrer le Brinks. Donc il y a de très belles ambitions pour 2023. Qu'en est-il, selon vous, de la réalité, sachant que je rappelle que le FMI vraiment a beaucoup de craintes quant aux dépendances des rentrées numéraires au niveau des recettes pour l'Algérie qui dépend énormément des hydrocarbures. Alors, j'ai entendu Anis Elkhama, il a résumé la situation de façon, je veux dire, très rationnelle et très cartésienne. Je vais essayer un petit peu résumer à ma façon. Tout d'abord, on ne va pas revenir sur les chiffres parce que les chiffres sont publics. Le budget, le plus grand budget d'histoire de l'Algérie post-indépendante de 98 milliards de dollars, les recettes de 60 milliards, donc quasiment il y a un différentiel. Je ne sais pas comment ils vont le financer. Forcément, c'est la planche à billets qui va financer ce différentiel. Maintenant, on va rentrer dans le vif un petit peu ce qui s'est passé réellement. Donc, il a annoncé en grande pompe l'augmentation des salaires. Comment on va augmenter les salaires? C'est ça la question. La question dans les pays de droit, dans les États très développés, on vous pose la question. Comment vous allez financer un projet
quels sont les moyens, le mode opératoire pour financer un projet. Il nous a annoncé qu'il va, parmi, dans le budget de 94 milliards, donc il y a 23 milliards pour l'armée, bon, il y a un restant, on va pas, qui va être, comment dirais-je, destiné pour la fonction publique, augmenter le salaire des fonctionnaires. Mais dites-moi comment vous allez financer les salaires. Pour financer les salaires, pourquoi ils financent les salaires? C'est ça la question, Chabat. Il veut augmenter les salaires parce qu'il y a l'inflation. Au fait, il veut faire, c'est-à-dire quand l'inflation augmente, les salaires doivent augmenter de façon proportionnelle pour que les citoyens, les salariés, préservent leur mode de vie. Mais ça ne peut pas marcher. Pourquoi ça ne peut pas marcher? Je vais vous dire pourquoi. Un, il veut aussi injecter des liquidités dans le marché. Ok, vous injectez. Mais quand vous injectez de grosses liquidités, vous allez créer de l'inflation encore. Pourquoi vous allez créer de l'inflation? Parce que cette inflation, vous avez du mal à la stopper. Cette inflation, elle va galoper au fur et à mesure que vous injectez de l'argent. Parce que quand vous injectez de l'argent de grosses liquidités, il faut stimuler un pseudo-activité. Il n'y a pas d'activité en Algérie. Donc, il stimule l'activité pour maîtriser le taux d'inflation et pour que la situation ne tombe pas en déflation. C'est-à-dire, c'est le phénomène inverse de l'inflation. Comment il va financer les salaires? Par quoi? Soit par des crédits, soit par les recettes émanant des hydrocarbures. Donc forcément, l'inflation, elle y est, elle va rester. Il y a une inflation qui est bonne. Si l'inflation qui est bonne, un, si cette augmentation des salaires va accroître, je veux dire, les cotisations, parce que quand vous travaillez, vous avez un salaire. Donc il y a l'augmentation de la TVA et l'augmentation des cotisations sociales. Quand vous vendez un bien, il y a la TVA, mais il n'y a pas de bien. Tous les biens sont importés. C'est-à-dire vous injectez de l'argent pour financer les produits importés. Mais on nous a annoncé que la facture des importations, on l'a réduite. Mais on importe toujours, Chaban. Mmh. Donc la situation, elle est intenable. Mmh. Elle est intenable. C'est ça la question. Mmh. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent réduire l'inflation. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète la paix sociale. Je m'en fous, j'injecte au maximum des liquidités dans le marché, mais quand vous injectez beaucoup d'argent, mais le peuple ne demande pas de l'argent, vous avez un excès de monnaie sur le marché et vous avez moins de demandes de la monnaie. Ça veut dire que vous créez l'excès monétaire. Donc c'est une inflation monétaire. On n'a pas. Comment vous allez financer par les recettes émanant des hydrocarbures? Un. Deux. Comment vous financez les allocations chômage? Moi, je suis pour les allocations chômage. Pour une personne qui ne travaille pas, c'est normal. Pour réduire la pauvreté et confiner la misère. Et donner de la dignité à l'être humain, c'est important. C'est justement la question. La question que je vais vous poser juste derrière, y a-t-il un modèle du coup économique? Y a-t-il un projet politique économique fondé, cohérent, rationnel, qui va pouvoir permettre effectivement de développer le pays sur plusieurs mandats, puisque vous le savez, économiquement, il ne suffit pas d'un seul mandat, ça se développe en plusieurs années, à condition qu'il y ait de belles perspectives et un projet économique, un modèle économique posé, construit, proposé par le pouvoir donc actuel en Algérie, en l'occurrence celui du président Abdelmadjid Tebboune. On va pour écouter ici donc toujours le président qui nous parle d'une vraie force économique en Algérie pour commencer. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لأن في بعض الأحيان لما الإنسان يزيد يشوف الرفاه يبان له باللي كان كل يعني من زمان كيما هاك لا ما كانش كيما هاك فتنا مع مرحلة وين دخل يأس قال ما كانش الدراهم
ولا ما سحبناش اللي كسموه ما تخلصوش. واحد الاخر يقول لك ما كان حتى حاجه حتى دخل. واحد يقول واحد الاخر يقول واحد يقول. يعني يبغوا يجيبوا ناس مسيرين يسيروا البلاد. مرحله انتقاليه مش مسيرين وطنيين. اذا الاقتصاد نتاعنا رغم ما قيل وقيل عليه اليوم بدا يسترجع صحته. ما وصلناش للغايه مازال. الغايه نتاعنا هو نهار اللي ننمي الدخل القومي تاعي لدرجه اللي تسمح لي باش ندخل مع لي بريكس. تموي. Le président qui est salué ici, on en parle juste derrière. La nouvelle Algérie, voilà le souhait notamment d'Abdelmadjid Tebboune. Est-ce que c'est réellement une nouvelle Algérie qu'il y a maintenant depuis 3 ans? C'est aussi une question en quelques minutes. On essaie d'y répondre dans un instant. On va l'écouter ici, notamment sur cette nouvelle Algérie. جزائر جديدة يعني جزائر ماهيش معقدة ولا واحد يعقدها، ماهي معقدة لا من الاستثمار ولا من الشقيق يجي يعيش معانا ويجي يخدم ويشتغل ويدي. خلاص احنا الإطارات اللي موجودة اليوم إطارات كلها نزيهة، لا غبار عليها، لا شكوك فيها، ويعملوا من أجل الوطن والوطن وحده فقط. Elias Djebaili, question pour vous et la même juste derrière pour Anis Elkama. À entendre vos analyses et puisqu'on ce qu'on entend et ce qu'on lit aussi, et puis aussi les interpellations de l'ONU, des responsables aussi économiques, du Fonds monétaire, on se pose la question, est-ce qu'il y a réellement un programme, un projet, un modèle économique? On voit tout de même hein, que le peuple algérien est en difficulté, il y a cette spéculation, ces inflations, donc des prix, le pouvoir d'achat qui est en baisse, et puis les haragas, c'est aussi bien évidemment c'est un drame humain qui fait partie de ces 3 années de mandat, qui dit haraga, ben, ce sont ces hommes, ces femmes, ces jeunes qui prennent le large et qui quittent leur pays parce que certainement il n'y a pas de quoi bon vivre, de vivre dignement et librement. Est-ce que Abdelmadjid Tebboune a réellement en main un vrai projet économique quand il nous parle du BRICS, d'une relance économique par exemple? Oui, écoutez, le BRICS dont il a demandé l'adhésion, d'ailleurs, il faut savoir que l'Algérie en 2017, elle a fait la demande pour rentrer ce qu'on appelle la route de la soie. La route de la soie, c'était dans le temps pour désenclaver un peu, revitaliser les routes de la soie pour désenclaver les territoires chinois. Et celui qui rentre dans la route de la soie, Belt and the Road, comme ils l'appellent comme ça, c'est pour avoir l'accès au financement chinois. Et les Chinois sont malins. Ils sont venus en Algérie, ils savent que l'Algérie est un pays fiable, fiable sur le plan des ressources. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Chinois? Ils investissent, ils prennent de l'argent, ils repartent. Ils vont construire un port, le plus grand port d'Afrique, évalué à 6 milliards de dollars. Mais quand vous construisez un port aussi important qu'à l'étude de 6 milliards de dollars, elles sont où ces ateliers, ces usines? On ne demande pas des usines lourdes, de la production lourde, des industries lourdes à la soviétique. C'est-à-dire maintenant, le monde a changé. On a besoin des petites start-up, on a besoin des industries légères, pas lourdes, c'est fini maintenant. Les Anglais, ils ont mis fin à l'industrialisation très lourde. Maintenant, industrie très légère. Il faut savoir investir. Les Chinois, ils viennent, ils investissent. Mais est-ce que le pouvoir algérien actuel qui est en tête, et il reste encore quelques mois avant 2024, est-ce que réellement, question vraiment précise, il nous reste vraiment 3 minutes d'émission, je voudrais redonner la parole derrière à Anis Elkama, est-ce que réellement le président navigue-t-il pas, a vu comme ça, sans projet économique, sans modèle, sans réellement quelque chose entre éléments de fonder pour vraiment développer le pays? Non mais honnêtement, on ne fait pas du populisme, honnêtement, mais il n'y a pas une ligne claire. Qu'est-ce qu'on veut de faire de ce pays? Quels sont les atouts? Est-ce qu'on a développé le tourisme? C'est-à-dire, ils vont investir 40 milliards
Chaben, 40 milliards. Entre 2002 jusqu'à 2026, vous savez que les investissements, les financements internationaux, des projets liés aux énergies fossiles, ils sont sur le point d'être suspendus carrément. Maintenant, on s'oriente vers les énergies vertes, vers les énergies renouvelables. On a un Sahara le plus grand, quasiment le plus grand désert du monde, mais rien n'a pas été exploité. On a, on a 3300 milliards mètres cubes d'eau douce qui dort. On peut faire de l'Oasis, on peut faire de Tamanras un hub africain, on peut développer. On a tout, l'agriculture, on a les serres, on a tout, tout, tout. Maintenant, ils investissent dans les énergies fossiles, c'est-à-dire 40 milliards pour l'exploration, la prospection, le raffinage, tout le temps dans les énergies fossiles, à la soviétique, tout le temps. Elle est où la ligne claire? Moi, je souhaiterais savoir, c'est quoi un modèle économique? C'est quoi un modèle économique fiable? Quelles sont les orientations de ce pays? Un modèle économique se construit sur le long terme. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, elle voulait faire de la voiture quelque chose de stratégique, parce qu'elle a une culture, parce qu'elle a un savoir-faire. Quand ils ont changé, il y avait un grand avionneur, c'était BMW. À la base, BMW, ce n'est pas un constructeur de voitures, c'est un constructeur d'hélices pour avions. Et toute cette main d'œuvre, tout ce génie en mécanique allemand, il a été transformé. Merci. Merci, cher Lies. C'est bien, c'est frigement cet exemple, notamment de l'Allemagne en sortant de la Seconde Guerre mondiale. Anis Elkhama, on vous retrouve pour une minute, le mot de la fin sur ce modèle économique, par exemple. Comment avance le président actuel? Alors, je vais juste parler de cette histoire-là délirante des BRICS. Alors, très vite, malheureusement, il nous reste une minute. Voilà. Allez-y. Mais c'est lié de toute façon. Moi, je dirais qu'on est proche des BRICS, donc des plats BRICS et les BRICS. S'il parlait des BRICS, donc des plats qui sont très bons d'ailleurs, l'Algérie s'est enfermée. Mais franchement, les BRICS, l'une des plus grandes économies mondiales, la Chine, etc., on est très loin. Lies a très bien parlé, c'est sa spécialité aussi, il est économiste. Il n'y a pas de modèle clair. Il y a une volonté de se dire que bien sûr que l'Algérie a des potentialités, bien sûr c'est le plus grand pays d'Afrique et on a beaucoup de ressources, mais cette volonté de tout faire passer par les militaires, de tout faire passer par l'industrie militaire, de tout faire passer par cette centralisation extrême du pouvoir qui fait revenir avant 88, nous amènera à l'échec au niveau économique. Et je vous remercie beaucoup. Et je salue tout le monde. Là, je vais être très bref cette fois-ci. Voilà. Vous avez été bon, comme d'habitude. Les 19h52 pile. Merci à tous. Merci à Anis Elkhama et merci à Lies Jebali d'avoir été avec nous. Un salut à Omar Ait Mokhtar, qu'on n'a pas pu recevoir ce soir, qui devait être avec nous. Merci infiniment à l'équipe en régie de m'avoir accompagné. Prenez soin de vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour un nouveau numéro de Microscope. Samedi soir, 18h30, Jamel Benchenouf sur Temascan. On parlera de football, de sport, de polémique, de politique, d'amalgame, de racisme, de discrimination, tout ce qu'il y a autour de cette compétition qui est la Coupe du Monde. Vous l'avez vu sur plusieurs plateaux maintenant depuis plusieurs jours. Bonne soirée à tous.